Joue le jeu présente jeu du dozo. Dans ce jeu, vous avez besoin d'un plateau avec des alvéoles ou des hexagones. Hein. Vous pouvez faire ça avec OpenOffice dessin. Vous avez 28 pions, 7 pions de chaque couleur. Et le but du jeu ici est de réussir à former un triangle équilatéral avec des pions de la même couleur. Donc ça, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, ce ne serait pas bon, c'est bien un triangle, mais il n'est pas équilatéral. Là, ce serait bon. Là, ce serait bon. Alors, n'importe où, hein, partout. Dès le moment où vous avez fait un triangle équilatéral, ça veut dire avec le même nombre de cases pour chaque côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, c'est bon. Donc là, ce ne serait pas bon parce que il n'est pas équilatéral. Ensuite, ici, il faut que je vous montre un triangle, voilà, équilatéral, vous voyez. Celui-ci serait équilatéral, vous voyez, même longueur, hein, on le voit, sauf que on ne peut pas compter les cases entre les deux. Vous voyez. Là, par contre, ça irait. Hop, hop, hop. Il faut qu'il soit équilatéral avec les hexagones. Donc ici, il ne le serait pas. Il l'est, on le voit bien, les côtés sont de la même longueur, mais comme ce n'est pas sur des alvéoles, eh bien, ce n'est pas bon. Ici, pareil. Là, par contre, ce serait bon. Donc voilà, former un triangle équilatéral, chaque joueur joue à son tour. Donc ici, petite partie Lolo Riton, je fais juste un début de jeu. Donc Lolo commence. Bien sûr, Riton pourrait mettre un noir, ce qu'il fait. Alors, il ne le met pas ici parce qu'après, il suffirait à Lolo de remettre un noir ici. Il ne le met pas non plus ici hein, sur une ligne du noir. Par contre, il peut très bien le mettre sur une autre ligne qu'un noir. Voilà, c'est tout simple. Donc, c'est à Lolo de jouer qui prend par exemple un jaune. À Riton qui reprend un jaune. À Lolo qui prend un rouge par exemple. Etc, etc. Donc je fais une petite partie de démonstration dans une autre vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Une petite dédicace à Foxtrot qui suit toutes les vidéos que je fais. Donc je lui envoie une petite dédicace. Il a aussi une chaîne dont je mettrai le lien s'il m'est possible de le faire. Voilà, au revoir, merci, à bientôt.